Bien arrivé au premier hôtel du Caire, plutôt pas mal ma foi. Il y a une palmeraie. Non mais il y a un grand truc avec des... c'est bon. Ah yeah. Et tout. Non mais là franchement c'est un... Ça, pâtisserie berbère. Les billets égyptiens. Je me sens grave riche alors qu'en fait j'ai 5 euros. Je mets mon argent dans des sacs plastiques. Une nuit qui m'a brisé physiquement. Ça part à Aswan. Je ne maîtrise pas encore. Il faudra encore quelques mois. Faites des pâtes pour partout en fait. Bizarre. Premier repas égyptien. Alors ça on dirait carrément une crêpe coréenne et ça on dirait carrément des pâtes. Mais c'est égyptien. Là pour le coup tu peux pas faire plus arabique. C'est un peu le souk ici. Peut-être que je joue en mode Belmondo avec Bélier sur le capot. Je joue à l'ancienne. Oh la classe. Un gros kebab. Nouvelle patrouille égyptienne, on va chercher à manger pas trop lourd, un bon kebab avec ses bonnes frites baignant dans l'huile. T'as fait n'importe quoi. En fait, ça traverse quoi ? Patrouille sur une île abandonnée. Ma foi, c'est terrain. Et ça va escalader. Pourchassé par des ânes sauvages, regarde. On s'est fait pourchasser par des ânes et ensuite par des chiens au purée. J'ai l'impression qu'on n'est pas les bienvenus dans cette île. Oh, genre, regarde le bœuf. Arrivé à l'hôtel de Luxor, la pelouse est taillée. Alors là, on a une belle chambre avec double lit et vue, mais magnifique. Premier jour à Luxor, ça part dans la vallée des rois en vélo égyptien. Thank you.
ben, achat des billets de bus pour Ouganda. On part demain. Donc on a une journée pour tabasser Louxor. Et on va taper seulement le premier kebab depuis qu'on est en Égypte. C'est joli, hein. Allez, j'avoue, la niche corps, elle est belle. C'est hiéroglyphé à mort. Statuette sympa pour mettre chez soi. Ouais. Hello. Ça on va passer. Hello. What country? France. France. Alors on était en vélo sur l'autoroute. Good. Le mec il a kiffé, il m'a fait des petits clins d'œil et tout. Ah, il a grave kiffé. Bateau marche arrive. Statue massive. Ah, des bons pains au chocolat égyptien. Yeah! Bon, je vais tester le pain au chocolat égyptien. Bon, alors déjà, il y a une barre de chocolat et elle est assez massive. Pas du chocolat? Il n'y a pas de date. Pas d'arrêt. Oh, pas de date. Va faire les calèches. Yeah. Donc en fait, c'est pas un pain au chocolat du coup. C'est un pain à la pâte de date. C'est sucré donc c'est bon. Très bon pour mes artères. Oh, les trucs aux dates. C'est sucré, c'est de la glace donc c'est bon. Oh, des dates. Des fèves. Amandes, oléagineux, cacahuètes, amandes, noix de cajou, noix de pécan, noix de sucrerie, gâteau gras, boisson sucrée, bar chocolat. Elle est nickel hein, la corniche, mais...
on est toujours en direction du temple Karnak. Réparation de voiture. Putain. Ça fait et voiture et derrière chicha aussi. Fin du séjour à Louxor. Temple de Louxor, temple de Karnak, vallée des rois, vélo, patrouille, on a tout fait. Et là, ça part à la prochaine destination, Mer Rouge, Hurghada, en ce bus. C'est parti pour 5 heures de bus. Pause dans le trajet. Oh là là, il y a une route, il y a personne. Depuis le début de ce voyage, le nombre de sneakers que j'ai mangé. Oh oh, le vla avec les barres sucrées. Barres sucrées et Nanba. Miam miam. Arrive à Hurghada. On s'est fait mais littéralement agressé par des mecs pour le taxi. Nice driver. Nice driver. Ça se concentre pas du tout sur la conduite. Non, non, c'est ça téléphone en même temps. Deux infractions à l'espace de 10 secondes. Ça fait triple action. Tout sur conduite. On est dans un Uber avec Reda. You know? I know. I know. Oh purée. How are you? Good. Il est complètement ouf. Je pense qu'il va nous faire avoir un accident. Complètement pallié de la sécurité. Il est sur Red Bull. Hilton. Ok. Il est monstrueux. Le mec il nous explique tous les trucs, mais que en onomatopée. On a survécu à la course avec monsieur Reda, qui était très sympathique. On lui a lâché un pourboire à la fin, ça nous a tapé poignée de main et ensuite check directement. On va aller patrouiller ce soir, apparemment dans la ville, que des Russes. On sait pas pourquoi tout est écrit en russe. Mais il est complètement bourré le mec. Il est complètement bourré. Ah oui, il est pivoiné, j'avoue. Il est boursouflé. Uriné. Du coup, tout le monde est bourré et il est à peine 20h. Je sens, on va s'éclater. Le resort, il est massif. Décoration façon île de Ré avec attrape-rêve. On va tabasser le buffet. Personne ne touche aux légumes. Du pain. Oh, il y a des frites. Oh, je vais me faire un grec. Ça va tabasser des fruits et des gâteaux. Banane sanguine. C'est super bon. Oh. Ça prend un verre d'alcool. Attends, je me souviens d'un minute, je vais m'alcooliser. Non, ça pue, attends. Non, mais c'était que 4. Et c'était que 4. Pour celle-ci, au mais bon, on va essayer d'aller patrouiller pour voir un petit peu l'ambiance de la ville la nuit. Là, on n'a plus l'impression d'être en Égypte. C'est assez bizarre comme ambiance. Mosquée d'Hurghada avec deux minarets. Bon, on est rentré à l'hôtel. Hey. Morning? Ok, il est 23h30.